Regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est là. C'est exactement pareil. C'est le même palier, je reconnais. Je reconnais le truc, là. C'est pareil, c'est ça. T'es sûr? Ouais, tout à l'heure, j'étais pas sûr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, parce que vous connaissez? Si je le connais, ça fait 6 mois qu'il habite ici. J'allais justement vous appeler. Attendez, c'est pas vrai. C'est les salades de n'importe quoi. Il m'a ramassé dans la rue, je vous ai dit. Moi, je fais le tapas pour pouvoir avoir à manger. Mais je l'ai jamais vu, ce bonhomme, là. Hey, ça va. Écoutez, monsieur, c'est pas du tout ce qu'il nous a raconté. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté? On peut entrer une minute? Je vous en prie, monsieur. Allez. Pardon. Nous sommes rencontrés, cette histoire aurait pu m'amuser. Mais depuis quelques semaines, je dois dire que mon sens de l'humour s'est plutôt détérioré. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ait réussi à retrouver le chemin de la maison dans l'état dans lequel il est. Je dois dire qu'on a pas mal tourné. C'est normal, je sois comme ça. Il m'a drogué. Il m'a foutu une saloperie dans mon verre et depuis, je sais pas, je suis pas bien, je suis mal, quoi. La fine champagne millésimée, une saloperie. Dites-moi, vous êtes seulement amoché, là. Vous êtes cogné dans une porte. Il m'a mis son poing dans la figure. Bon, j'ai collé un pain, d'accord, mais c'était un réflexe de légitime défense. J'en ai agressé des gens, hein. J'en ai agressé, je vous le dis franchement. Mais depuis que je suis en cure de tes intoxications, eh ben c'est fini l'agression. Mais c'est pas possible, Henri. Jusqu'où tu vas me pourrir la vie comme ça? Qu'est-ce qu'il vous a raconté encore? Il nous a aussi parlé d'un hachoir. C'était un truc horrible. Avec... qui m'a menacé comme ça, sous le nez. Avec une méchante lame. Pointue, très fine. Il a dit qu'il allait me découper avec. C'est un malade, faut l'arrêter, je vous dis. Voyons, je découpe des gens, tout le monde sait ça dans le quartier. Espèce de salope, hein. Bon, écoutez, vous n'auriez pas un calmant à lui donner, parce que vraiment, là, j'en peux plus. Fini. Attendez, laissez-moi faire. Je possédais un choix. Et aussi une série de couteaux. Très tranchants. Je les ai commandés au téléachat. Eh oui, j'adore le téléachat. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai même commandé une rôtisseur, si vous voulez tout savoir. Vous savez, parfois, je me demande si j'ai pas envie de faire autre chose avec ces couteaux que de découper de la viande. Il en manque un, là. Il a attaqué. Pas à notre connaissance, non. Pourvu qu'il ait agressé personne. Vous pouvez pas savoir comment il est. Quand il a besoin de se procurer de la drogue, c'est... Il peut voler, se prostituer.
agressé. Il m'a agressé. Il est parti. Et tout ça pour 300 francs. Mais je comprends pas, là. Pourquoi vous portez pas plainte? Hein? Vous avez jamais été à moi. Ah bah, je sais ce que vous pensez. Je suis une vieille pédale qui profite de son argent pour se payer des petits jeunes. Pas du tout, ouais. Puis c'est pas mes oignons. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Ça va. Il est dans les choux, mais ça va. T'as acheté un meuble dans l'appart? Que dalle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On embarque? Écoute, moi, je vais le lessiver, là, tu vois. Puis j'ai pas envie de me farcir une tonne de rapport pour une embrouille entre deux PD à la con, tu vois. Bon, écoute, on laisse tomber, ok? Ok. Excusez-moi, ça vous embêtera pas de rester un petit peu? Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute la nuit, là. Oui, non, mais dans 5 minutes, il dormira comme un bébé. J'ai l'habitude, vous savez, je le connais, mais... En attendant, moi, je me sentirai plus rassuré. Le temps d'une petite bière. Ah, vite fait, alors. Brune ou blonde? Blonde, blonde. Vous n'auriez pas un aspirine, plutôt? Une. On dit une aspirine, pas un aspirine. Enfin, tout le monde se trompe. C'est comme pour autoroute. On dit une autoroute, pas une autoroute. Vous avez deux l'aspirine. Non. Il ne faudrait pas qu'ils prennent non plus l'habitude de cavaler dans les rues complètement à poil, parce que on ne pourra pas toujours être aussi coulant. Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous occuper sérieusement de ce garçon. Je vais m'en occuper très sérieusement. Merci, monsieur. J'ai oublié mon carnet, mais quel con. Bon, bah allez, on y retourne. Hein. Tu fais chier. Oui, c'est vrai, tu fais chier, quoi. Ah, c'est ça que vous cherchez. Vous devriez faire attention à vos affaires, hein. Surtout dans votre métier. Au revoir.